Got gun. Holt left slot. Dixie left. Key left. Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 212 du podcast Jeune Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief des matchs le mardi. On vous rappelle, non je vais faire le rappel après, tiens je vais d'abord présenter l'équipe quand même. Raoul Villeroy est à ma gauche en souhaite rouge, bonjour. Le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, on dit non? On dirait un S. Ah oui, on peut dire les deux. J'aurais rien dit. Je peux dire l'équipe, le Canadien ou les Canadiens. Raphaël Masmejean est avec moi. Bonjour. Salut. Camille Sarabène à la technique. Salut. Le podcast du mardi qui vous est donc présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches encore cette année avec Happy Hour, Beer Bucket et tout ce qu'il faut. La prochaine, c'est ce dimanche bien sûr pour tout le monde. Et celle qui est animée par TDA, elle arrive doucement, c'est le 10 décembre. Voilà. Les Rams convaincants, Julio Jones monumental et le mystère Panthers, ça et les autres matchs de la semaine, évidemment, les tops, les flops, vos questions et le match du jeudi, vous connaissez le programme et c'est parti. Rams 26, Saints 20, le score est serré, messieurs, mais le match ne l'a pas été tant que ça. Oh, t'es dur. Oh, ouais, je te trouve. Attention, j'ai pas dit que c'était une pilée. Je dis juste que le score est un petit peu plus serré que ce que ça oui, était, les Rams ont été plus dominateurs que 6 points d'écart, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est une petite surprise dans le sens où. Alors, bon, c'est une surprise dans le sens où déjà, moi, je voyais plus une victoire des Saints. Et c'est une surprise dans le sens où. Où c'est peut-être l'une des premières équipes cette saison qui ralentit autant. Autant Drew Brees. Parce que généralement, quand les coureurs des Saints prenaient autant, c'était plus volontaire de la part de. J'ai l'impression que c'était plus volontaire de la part des Saints. C'était un vrai plan de jeu. Là, ils ont voulu miser sur Drew Brees et finalement, c'est lui qui a été pas le boulet parce que c'est un très grand mot. Ouais, c'est un gros mot pour désigner Drew Brees. On est d'accord. Mais c'est lui qui. Enfin, il a pas réussi à faire avancer son équipe. Voilà. Bon, Raphaël, tu es plus modéré. Ouais, je suis un peu plus modéré, effectivement. C'est vrai qu'à ce côté, ils reviennent tardivement. Ils sont menés de 10 points dans le match. Après, je ne les ai pas trouvés si largués que ça et si dominés que ça par les Rams. Pour le coup, je dirais que c'est un peu leur défense qui a fini par craquer. De mémoire, ils encaissent quoi, une trentaine de first down, mais je suis plus sûr, j'ai oublié mes notes, alors je vais pas pouvoir être très précis malheureusement. 24, voilà, 24 first down. On va t'aider. Je suis devant. 24. Donc la défense a un peu craqué finalement comparé à ces dernières semaines où elle était un peu plus présente. Je pense qu'on peut aussi le lier au fait qu'il y avait Marshon Lattimore absent et leur deuxième cornerback titulaire. Sur un match, ils n'étaient peut-être pas prêts à cette absence de leur deux cornerbacks titulaires, donc ça a un peu joué dans la balance pour le coup. Mais à la fin des fins, ils perdent que de 6 points, ils reviennent, Après, moi, là où je donnais ça, en effet, c'était pour la domination, notamment en défense, parce qu'en dehors d'une course de 74 yards d'Alvin Kamara, qui est magnifique, les Saints ont gagné que 49 yards au sol, ce qui était quand même leur point fort principal cette saison. Ouais. Donc là-dessus, il y a ils une vraie réussite très du côté des Rams. Ouais, non, bien sûr. Ouais. La défense des qui Rams. Qui monte en régime un peu cette défense des Rams oui, progressivement. C'est ça. On se posait beaucoup de questions. Je crois que j'avais posé la question, je ne sais plus si c'était à Greg ou qui était là jeudi. J'avais justement demandé à partir de quel moment on commence à douter de Wade Phillips. Là, il a neutralisé le point fort principal, en tout cas des dernières semaines. Hein. Drew Brees reste fort. Mais en tout cas, ils ont limité New Orleans à 346 yards, ce qui est quand même plutôt bien pour New Orleans. Et ils les ont limités à 3 sur 13 en troisième tentative, ce qui est aussi capital. C'est vrai, ce qui est aussi capital. Jared Goff, 28 sur 43, 354 yards, 2 touchdowns et une interception. Et surtout, il a quand même l'air vraiment en contrôle maintenant de son attaque. Hein. C'était déjà le cas ces dernières semaines, mais il continue de dégager un truc qui est quand même impressionnant par rapport à ce qu'on voyait l'an dernier. Quoi. Ah bah oui. C'est plus le même joueur. C'est le jour et la nuit par rapport à l'an dernier. Il y a une partie de normal parce qu'il est quand même dans sa deuxième saison. Mais c'est vrai que c'est peut-être même une progression
plus importante que ce qu'on avait pu espérer et penser en intersaison. L'arrivée de Andrew Whitworth côté aveugle l'apaise à mon avis quand même fortement pour le coup. L'arrivée de Sean McVay en tant que coach et donc avec son playbook lui fait aussi énormément de bien. Todd Gurley est retrouvé un peu aussi. Et lui, ouais, de manière générale, il dégage quelque chose dans sa poche de beaucoup plus serein. Il a l'air d'avoir trouvé l'adhésion de ses coéquipiers qui ont l'air de lui faire confiance. Et donc ça, forcément, ça peut être que positif. Et du coup, c'est une belle équipe. Il n'y a pas beaucoup d'équipes où tu peux citer facilement tous les receveurs de l'escouade. Enfin, je veux dire, c'est assez évident parce qu'ils sont tous toujours plus impliqués que dans beaucoup d'équipes où tu as souvent un receveur, voire deux. Et ensuite, derrière, il y a une ou deux réceptions. Là, tu en as au moins 4 ou 5 que tu peux facilement trouver. Et c'est peut-être ça aussi qui est fort chez eux, c'est que ça implique tout le monde. Sauf peut-être Tavon Austin, qui est le mieux payé. Le braqueur. Ouais, dans les commentaires. Ouais, mais tu vois, tu peux quand même citer son nom. 35 minutes en tout cas de possession pour LA. 3 sur 14 sur 3e tentative. C'est peut-être le petit bémol. Ils pourraient même gagner encore plus en efficacité sur les 3e tentative. Mais ils sont là, ils sont solides. C'est une vraie bonne confirmation. Ouais, c'est une bonne confirmation parce qu'ils perdent la semaine dernière face aux Vikings en étant quand même bien battus face aux Vikings. Ouais. Du coup, ils avaient besoin peut-être un peu de confirmer face à une des grosses équipes de la ligue. Et ils confirment face aux Saints, qui n'était pas forcément un match pris d'avance dans leur route pour les playoffs, qu'ils vont chercher. C'est forcément ultra, ultra convaincant pour eux et porteur d'espoir, on va dire. Allez, on va passer au deuxième match. Alors, Falcons 34, Buccaneers 20, Julio Jones, 12 réceptions, 253 yards, 2 touchdowns. Troisième match en carrière à plus de 250 yards. Savez-vous combien d'autres joueurs ont réussi 2 matchs à plus de 250 yards dans leur carrière ? Zéro. Aucun. Bien joué. Aucun. C'est le seul joueur de l'histoire à réussir plusieurs matchs à plus de 250 yards. Et il en fait carrément 3. La question quand même, on est obligé de la poser, qui est le meilleur receveur actuellement en NFL ? Julio Jones ou Antonio Brown? Ils n'ont pas, la même productivité dans le sens où... Je pense que c'est une question de goût, voilà, et de style. Déjà, voilà. Je pense que Julio Jones, sur un match où il est chaud, il est plus encore plus énorme. Voilà. Il a peut-être un plafond sur un match plus élevé que Brown, mais Brown, à mon sens, a quand même une capacité supérieure à bouger les chaînes. Et à jouer beaucoup plus, parce que Brown, il joue aussi très bien dans le slot et tout, ce qui est peut-être un peu moins le cas de Julio Jones. Jones, c'est plutôt le grand coach. Même s'il est très peu aligné dans le slot, et Julio Jones dans le slot ferait peut-être des ravages aussi. Mais après, il est un peu plus grand, il est un peu plus costaud. Voilà, c'est aussi c'est un peu plus le profil dominateur qui peut manger un match. Julio Jones, c'est plus le highlight que Antonio Brown. Je ne dis pas qu'Antonio Brown fait des réceptions moins impressionnantes, mais Antonio Brown, c'est le gars sûr, alors que Julio Jones a toujours cette part de magie finalement. Parce mais que Jones c'est a clairement le potentiel pour finir dans les top 5-6 à la fin de sa carrière dans l'histoire de la ligue, à mon sens. Ce que j'aime bien, c'est que avant ce match, il est à 760 yards ou quelque chose comme ça sur la saison. On dit, il est pas trop sur ses bases. Ouais. Bon, là, il est repassé au-dessus de 1000, comme ça, c'est fait. c'est réglé. C'est réglé. Les Falcons ont battu les Cowboys, les Seahawks, les Buccaneers à la suite. Ils commencent à se mettre en ordre quand même. Plus de 500 yards en attaque. C'est ça. Je trouve progressivement, là, depuis plusieurs semaines, ils sont en train de retrouver la forme en attaque. Ryan perd pas de ballon. Julio Jones enchaîne les réceptions. Tevin Coleman est en train de reprendre aussi un peu de rythme en attaque au niveau de la course. Ça va un peu mieux. Son comparse devrait pouvoir revenir à un moment. Devonta Freeman devrait pouvoir aussi revenir cette saison, il me semble. Il y a moins de problèmes de communication sur la ligne offensive, notamment entre Alex Mack et Matt Ryan. C'est en train de reprendre forme progressivement, pas trop mal, au bon moment, comme il faut. Faut pas les enterrer tout de suite. En playoff, tu veux pas trop les jouer. Prochain match pour eux, Vikings, Saints, Bucks, Saints, Panthers. On en parlait, ils ont eu le destin entre leurs mains. S'ils arrivent à en gagner 3, ils peuvent... Ils ont le destin entre leurs mains. Et si jamais ils vont chercher les 5 avant les playoffs, ils taperont juste ce qu'il faut du point sur la table avant de revenir en playoffs. 5, ça fait très peur. Moi, ce que j'allais dire, c'est que s'ils vont en playoffs, de toute façon, ça voudra dire qu'ils ont battu la plupart de ces équipes. Parce que très serré. Il faut qu'ils en prennent 2 ou 3 sur les 5. S'ils vont en playoffs, c'est qu'ils l'auront mérité et que finalement, il n'y aura pas eu une si grosse chute que ça par rapport à l'an dernier. Ils mériteront d'être là. C'est vrai. Un tout petit mot sur les Buccaneers, quand même, qu'on ne nous dise pas qu'on les a oubliés. Jameis Winston n'était toujours pas là, on rappelle. Ryan Fitzpatrick était aux commandes de cette équipe.
Et c'était les Buccaneers dans ce qu'ils peuvent être quand il n'y a pas de l'explosivité que peut parfois amener James Winston quand il ne fait pas d'erreur. Ils perdent Doug Martin assez vite. Doug Martin, enfin, oui, c'est... Vite. Ouais, c'est ça. C'est, le problème, c'est que c'est un peu un match Buccaneers qui ressemble à plusieurs de cette saison. C'est qu'ils ont du mal à installer un jeu au sol, notamment effectivement la commotion de Doug Martin, mais aussi du mal à avoir un pass rush. Il y a zéro sack. Voilà, c'est une équipe à part... Enfin, je veux dire, la NFL, des fois, c'est aussi simple. T'as pas de jeu au sol, t'as pas de pass rush. Bah, aller gagner un match NFL dans ces conditions-là. Face à une des meilleures attaques de la ligue. Bah, c'est pas vraiment possible. Donc, au final, 20 points, c'est même plutôt pas mal par rapport à ce qu'il y a sur ce match. Fitzpatrick fait le taf à peu près proprement. Fitzpatrick fait le taf. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Déjà ça. Voilà. Allez, Jets 27, Panthers 35 dans la même division. Les Panthers sont désormais à 8-3 après une victoire sur les Jets. Victoire difficile, ils gagnent grâce à un fumble recouvert pour un touchdown et un punt retourné pour un touchdown dans le dernier quart. La question se pose donc à Raoul maintenant, puisqu'il est, même s'il aime toujours en secret les Chargers, il est censé être supporter des Panthers. Elle vaut quoi cette équipe? Parce qu'elle est à 8-3, mais on a du mal à savoir ce qu'elle vaut quand même. Ben, en fait, on a du mal à savoir ce qu'elle vaut. On se souvient que le début de saison avait été compliqué. Il y avait des victoires face aux Bills à 9-3. Ils ont battu les Patriots de 3 points. En fait, toutes ces victoires étaient un peu, n'étaient pas une vraie représentation de ce que pouvaient être les Panthers à fond. Et en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas vu les Panthers à fond, sauf peut-être, tu vois, je regarde le calendrier. On n'a pas vu les Browns à fond non plus. C'est, C'est ça la question. Ils sont c'est, peut-être qu'ils sont au final. Bah, alors, c'est ça, ouais. Aussi, maintenant, le truc, c'est que tu as toujours des fulgurances d'un peu tout le monde sur un match, mais jamais en même temps. Alors, tu me diras, c'est le cas de plein d'équipes, mais les grandes équipes, tout le monde joue à fond tout le temps. Les Patriots, bah, maintenant que la défense va mieux, la défense est au top, l'attaque est au top, tout le monde est au top. Donc comme ils n'ont jamais été à fond, ils ne seraient pas une grande équipe, quoi. Bah, pas tant que ça. C'en est pas une. C'en est pas une, mais maintenant, il y a toujours cette capacité d'explosion sur un match de Cam Newton au sol, de Christian McCaffrey qui peut faire On valide pas ça. Bref, et t'as la défense qui peut d'un coup, avec les linebackers qu'ils ont, avec le pass rush qu'ils ont, ils peuvent d'un coup complètement museler l'adversaire. Bon, moi je suis pas totalement d'accord dans le sens que justement, moi je trouve qu'ils ont pas vraiment de coup de fulgurance en fait. Je les comparerais plus à un peu, vous savez, ce type de boxeur au point dans la boxe, ces poids lourds qui ont pas vraiment de fulgurance dans un match, mais qui par contre vont gagner à la fin du match au point parce qu'ils encaissent, ils encaissent, ils tapent, ils encaissent. C'est pas explosif, ça te met rarement KO, mais par contre, à la fin du match, c'est eux qui gagnent. Et je pense que, j'ose un peu cette comparaison, parce que aussi, un des facteurs qui, pour moi, leur permet d'être à 8-3, malgré ce jeu peu fulgurant, c'est cet impact physique qu'ils ont des deux côtés du terrain. Ouais, ça, oui. C'est qu'ils ont en défense des mecs comme Quickly, Thomas... Julius Peppers, qui est toujours là. Qui sont capables... Qui gagne par l'intensité physique sur tout un match, qui c'est tellement, ça tape tellement fort que ça finit par faire mal à l'attaque adverse à un moment du match. Et pareil, et en attaque, le physique de Cam Newton, à la fin des fins, finit par épuiser la défense adverse. Celle des Jets, à la fin, finit aussi par craquer comme ça. Donc moi, je les vois plus un peu comme ça, cette équipe qui t'intéresse à vite les mettre derrière au score, parce que sinon... Sur la longueur, si tu n'arrives pas à les tuer dans le match, à la fin, en quatrième quart-temps, tu te feras dépasser par eux, je pense. Je suis assez d'accord avec toi sur la défense, un peu moins sur l'attaque. Sur l'attaque, j'ai vraiment du mal à voir où ils vont. Ils sont censés à un moment être une équipe au sol, finalement. Là, on a un Stewart à 15 courses, 26 yards. Ouais, mais t'as un Newton touchdown. Qui prend du... Ouais, mais je veux dire, pareil, Newton, là, pour le coup, je trouve que oui, c'est des fulgurances, mais après, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Là, il est à 11 sur 28 pour 168 yards à la passe, quoi. Et il a pas l'air dans les MVP. Ouais, mais tu vois, il y a des matchs où il court limite 100 yards et voilà. Donc... Et Devin Funchess est le seul receveur de métier à capter une passe dans ce match. Ouais, bah ça après, ça arrive. Hein. Bah ils ont plutôt receveur quoi. Souviens-toi l'année où les Chiefs, il n'y a pas un receveur qui reçoit un touchdown. Oui, mais c'est pas une bonne chose, ils sont pas allés au bout. Non, mais ils étaient en play-off. C'est pas comme si c'était. Oui, enfin, c'est bien, mais c'est pas le but. Non, à part si c'était les Bills ou les Browns, mais. C'est la question. On parle d'une équipe qui a un MVP et qui était au Super Bowl il y a 2 ans. Et ils ont pas l'air meilleurs qu'il y a 2 ans, ce qui est un peu le problème. Non, ça, je suis d'accord, ils sont pas forcément meilleurs, mais ils ont encore tout ce qu'avait fait leur force. C'est juste la question de réussir à les remettre en place.
Bon, avant de passer un petit mot sur les Jets quand même aussi, ils continuent de s'accrocher assez valeureusement. Continuent de s'accrocher. Malheureusement. Valeureusement. Leur ménage d'intersaison en défense a fait beaucoup de bien avec une défense rajeunie qui monte sur le terrain pour prouver ce qu'elle vaut et ça marche. Finalement, les squads de receveurs commencent à se tenir. Jermaine Kearse arrivé en échange lors de la période d'échange a fait du bien. Ouais. Robbie Anderson se révèle, lui qui n'a même pas été drafté de mémoire. Je crois qu'il a été drafté parce qu'on a déjà dû me faire la remarque une fois. Ah ouais, ouais, il me semblait qu'il était ça n'a pas remarqué sur son profil. Il faisait un peu, hein, Bon, vas-y. Petit doute. McCon fait le taf. Bah, oui, c'est ça. Fait le taf. C'est vrai. On peut pas lui reprocher. Bah, on peut. Ouais, sur ce match, il y a rien à lui. C'est une belle fiche. Hein. Donc voilà, ils font le taf correctement et. J'ai rien dit. Il n'est pas drafté en effet, Anderson. Bon, en tout cas, alors avant de passer. Todd Bowles, c'est du coup peut-être en train de sauver son taf à ce rythme. Parce qu'une équipe à qui on promettait une victoire accroche tous ses matchs. Ouais, ils sont casse-pieds. Je pense qu'ils peuvent faire les arbitres d'ici la fin de saison en AFC. Un petit détour par le chat, puisqu'on est aussi en live. Hein, vous pouvez nous écouter en direct ou en podcast. Et un petit détour sur le live où j'ai vu passer beaucoup de remarques sur la barbe de Raphaël. Donc pour ceux qui nous écoutent en audio, sachez que Raphaël n'a plus c'est de barbe. Le premier truc que j'ai dit quand il est arrivé. Et il y a beaucoup de gens qui sont assez traumatisés. Traumatisés, carrément. Ouais, ouais. Raphaël, vite, laisse pousser la barbe. Ça va te faire des arguments pour garder ta barbe. Ben alors, Raphaël s'est rasé, il n'est plus dans la mode des barbus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus. Sur ce, petit jingle et on passe au reste des matchs. Chiefs 10, Bills 16. Ouais, ça dit vite ça. Hein. C'est terrible. Chiefs 10, Bills 16. Les Chiefs doivent-ils mettre Alex Smith sur le banc? C'est la question qui a été posée par certains. C'est une formule très générale, très vague, pour se dédouaner. Parce que c'est pas moi qui ai posé cette question. Parce que je pense que la réponse est non. Non, je ne pense pas. Alors, les gens disent ça parce qu'on avait vu Patrick Mahomes. Culture de l'instantané. Ouais, voilà. Et que Patrick Mahomes avait plutôt bien joué. Même plutôt, ouais, moi, j'avais des souvenirs. En pré-saison. Mais quand même, il y a des mecs en pré-saison qui se ramassent. Bon, bah lui, voilà. Il y en a aussi qui jouent bien en pré-saison et qui se ramassent après. Mais voilà, mais il avait l'air NFL ready, comme on dit dans le milieu. Ouais, et il est pré-saison ready, quoi. Bon. Mais vous trouvez toujours des trucs négatifs, évidemment, tu peux pas savoir d'avance, mais il avait pas l'air catastrophique. Et je comprends qu'on puisse penser ça, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas le faire. Mais les mecs qui ont vu un rookie prometteur qui se disent ouais, mais dans les autres équipes ça marche, nous on a un vieux crouton qui lance plus rien. Oui, alors après, voilà. Vieux crouton qui lance plus rien, ou comment les gens tombent sur Alex Smith, etc. Le mec marche sur l'eau, j'ai sa fiche devant les yeux. Hein. Sur les 1, 2, 3, 6 4, premiers matchs à peu près. 5, sur les 5 premiers matchs, il n'y a pas un match à moins de 104 d'évaluation. Après, il a 108, 127, 77, 102, 61, 76. Donc, en effet, il a 3 des 4 derniers matchs où il est en dessous de 77, de 78. Donc, c'est ça. Il n'est pas le... Là, il a... C'est sûr qu'on peut se réjouir. Beaucoup de gens nous ont fait la remarque. Il a la fiche parfaite d'Alex Smith. Ouais. Il a retrouvé l'échelle d'Alex Smith. 23 sur 36, 199 yards, un touchdown, une interception. Et encore, c'est peu précis pour un Alex Smith. Hein. Beaucoup c'est de passes. Normalement, il est plus précis. C'est vrai. Mais... Tu vois, à 199 yards sur 23 passes complétées avec un touchdown et une interception, on est bien. Pile dans l'échelle d'Alex Smith. Tout à fait. Donc, c'est une madeleine pour nous. C'est revenu. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça se trouve, dans deux semaines, il est reparti comme au début de la saison. Je ne suis pas persuadé qu'il reparte comme au début de la saison. Et après, je ne pense pas que ce soit lui qui faille forcément blâmer. Non. C'est qu'il y a un coordinateur qui doit trouver des solutions, qui en trouvait des très bonnes au début de l'année et qui arrive peut-être moins à mettre en position ces joueurs de réussir. Je suis bien d'accord. On le voit, il y a Kareem Hunt qui est en grosse difficulté depuis plusieurs matchs. Il y a un Travis Kelce qui est quand même très peu, sur lequel on joue très très peu, alors qu'il est un des meilleurs tight ends de la ligue. Là, il est visé 4 fois de mémoire. Il fait 3 réceptions. Voilà, c'est des solutions qui ne sont pas trouvées. C'est une défense qui quand même manque de pass rush et en difficulté au niveau de ses cornerbacks. C'est pas pour rien qu'ils sont allés chercher Darrell Revis, même s'il n'a pas joué sur ce match, mais en tout cas qu'ils sont allés chercher quand même Darrell Revis. Voilà, c'est un ensemble. Alex Smith, pour moi, n'est clairement pas le premier fautif de cette mauvaise passe des Chiefs. Tout le monde est un peu responsable.
Ils ont intérêt à vite retrouver les clés pour se relancer parce qu'il y a danger. Derrière, ça remonte. Hein. 236 yards en attaque seulement et 14 first down, ça c'est quand même assez. Ouais, c'est pas bon. C'était la fiche de Kareem Hunt pendant les premiers matchs. Ça. Oui, c'est fou. C'est très très compliqué. Mais enfin voilà, moi je pense que c'est pas encore de sa faute. C'est non, pas encore. C'est pas encore. Alors, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Goff Schwartz, qui est un ancien lineman dans la ligue, qui a son frère Mitchell Schwartz, qui est lineman chez les Chiefs. Et qui expliquait au public des Chiefs qui lui demandent Mahomes, Smith, t'en penses quoi? Et qui lui dit écoutez, moi, les échos que j'en ai en interne, c'est que Mahomes, il est nul à l'entraînement. Il est nul à l'entraînement et qu'il ne vaut pas du tout Alex Smith. Et que Andy Reid, il met le meilleur joueur. Et, et de toute façon, Reid a assez de bouteilles pour s'il pensait que Mahomes était meilleur que Smith. Reid le mettrait, enfin je veux dire, il n'est pas spécialement accroché à Alex Smith, quoi. Faut pas. Donc, il n'avait pas hésité à foutre McNabb sur le banc de mémoire pour de mettre mémoire Vic aussi. À l'époque. Hein. Bah, bien sûr. Enfin, donc, oui, non, tu vois, le mec, il ne se prend pas pour un gourou offensif à garder son truc. S'il y avait de quoi le faire, et encore une fois, là, il a fait deux matchs, et encore, il fait, quand on dit, donc sur trois des quatre derniers matchs. Ouais, c'est pas non plus des matchs catastrophiques. Hein. C'est une interception, un touchdown, zéro interception, deux touchdowns, une interception. Il y a un match à zéro touchdown et deux interceptions contre les Giants. Où il est mal, et après 1-1. Bon, enfin, il ne lance pas 4 interceptions par match, il n'est pas complètement fou. Il est dans l'échelle. Il est dans l'échelle. Non, mais oui, c'est sûr. Après, si le groupe suit autour et que le plan de jeu est bien imaginé, même avec le Alex Smith classique de l'échelle d'Alex Smith, tu peux gagner des matchs. Il le faisait l'an dernier. Donc, donc non, on n'en est pas là. Voilà pour le petit topo Chiefs. Donc pour l'instant, on ne change pas de quarterback. Un mot sur les Bills avec Tyrod Taylor de retour, 19 sur 29, 183 yards. Un touchdown lui aussi, hein, il est dans son registre. Ouais, et ils sont redevenus l'équipe du début de saison qui justement bat ces équipes-là. On parlait de physique tout à l'heure avec les Panthers, c'est un peu ça aussi hein, chez Buffalo. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, finalement, le Tyrod Taylor par rapport à Peterman la semaine dernière, bah, lui, il perd pas de ballon. Je dis pas que Peterman, il allait lancer 5 interceptions à chaque match. Mais lui, là, il n'y en a aucun. Il y a 0 turnover sur ce match. Pour moi, ça met encore plus en exergue l'erreur peut-être de McDermott d'avoir voulu tenter ça au moment où tu avais pourtant un bon pied en wildcard. Bon, il reste dans la course en tout cas. On va enchaîner avec tout ce qui s'est passé en AFC West parce que, comme vous l'avez dit, les Chiefs perdent du terrain. On rappelle qu'ils étaient à 5 victoires, 0 défaite quand même. Donc, on pensait que la division était jouée au bout de 5 semaines. Voilà. Donc, derrière, Raiders 21, Broncos 14, la bagarre. C'est à peu près le seul truc à retenir de ce match. Talib Crabtree, commotion aussi pour Amari Cooper au passage. Pas grand chose à retenir côté Broncos. C'est pas le seul truc. Le truc à retenir en l'occurrence, c'est que Paxton Lynch est vraiment nul. Oui, alors moi ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas pu le voir en entier de toute façon, puisqu'il s'est blessé à nouveau. Oui, mais même sur ce qu'on a vu. Il finit à 9 sur 14 pour 41 yards et une interception. En 3 quarts temps. En 3 quarts temps, il a lancé 41 yards. Je suis d'accord avec Raoul, c'était franchement laid. Après, il a tellement peu joué. Je veux dire, au final, c'est quasiment un quarterback rookie, dans le sens, c'était quoi, son 3e ou 4e match ? 3e, je crois. 3e. Bon, c'est quand même dur de le jeter directement aux orties. Ah, mais il faut pas le jeter. C'est simplement quand. Sauf que Trevor Siemian n'est pas la panacée. Ça a l'air mal barré quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose dans cet effectif. Ça fait des mois qu'il le planque. Je pense que, comment dire, que John Elway va pas être très patient sur ce sujet-là très très longtemps. Ça va redrafter ou ça va faire venir quelqu'un en tout cas. Mais comme tu dis, les Broncos. C'est un peu la misère, cette défense a du mal. Donc les Raiders remontent au classement, ils sont plus qu'un match derrière les Chiefs. 5-6, Mais c'est pas forcément beaucoup plus convaincant. Ça va être par défaut à ce rythme-là, cette division. Moi je trouve ça pas convaincant. Sur ce match, il y avait un peu plus de pass rush en défense, c'était un peu mieux, de mémoire 4-5 sacs, Bruce Irvin s'est bien montré. Mais je reste encore sceptique sur leur cornerback. Et puis moi l'ami Derek Carr, je suis pas hyper convaincu par sa saison. Oh, vous allez vous faire un ennemi dans la rédac. je sais, mais bon, j'attendais à ce qu'il passe un palier, qu'il porte un peu plus cette équipe, un peu plus cette attaque. Et force est de constater que. Je sais pas, Derek Carr, moi je le trouve pas spécialement hyper enthousiasmant sur cette saison. Ça pourrait être notre prochain Alex Smith. La fiche est bonne, les stats Là, ils auront une fiche de 18 sur 24 pour 253 yards, 2 touchdowns, 0 interception. Les stats sont bonnes, il n'y a aucun souci, mais je sais pas, moi je. Après, sur l'ensemble de la saison, c'est pas exceptionnel non plus, en effet. Hein. Il a joué les 10 matchs, il a débuté les 10 matchs, il a lancé 16 touchdowns pour 8 interceptions. C'est vrai qu'on l'attendait mieux. C'est pas fou. Hein. De ce qu'on voyait les années précédentes, il aurait pu faire mieux. Je suis désolé, mais sur cette saison, au niveau des stats, pour moi, pour le moment, Derek Carr, c'est un Alex Smith.
Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bien, ça lance son petit touchdown par mètre. Mais ça fait plaisir d'avoir retrouvé cette marque de référence. Sauf que Derek Carr, beaucoup s'attendaient à ce qu'il passe un palier et qu'il soit capable d'aller faire Big Ben, des Roethlisberger font, des machins. On en parlait comme dans MVP l'an dernier. Deux receveurs importants sur ce match. Ouais, Crabtree sort tout de suite et Cooper par semaine. Ouais, mais il perd deux receveurs. Mais il y a un moment, tu leur fais venir le porteur d'eau, il finit à 200 yards dans un match. C'est pas encore Breeze ni Brady, il y a peut-être un entre-deux. Oui, mais le problème, c'est qu'on attendait qu'il passe ce palier. Il le passe pas. Il était censé. Moi, je suis désolé. Alors, si ce n'est les Raiders, serait-ce les Chargers qui vont prendre la place des Chiefs? 6 pour les Cowboys, 28 pour les Chargers, c'était à Thanksgiving. Parce que eux aussi, ils sont à un match des Chiefs, ils sont à égalité avec les Raiders. Et ils sont dans une bien meilleure dynamique. Et quelle fiche de Philip Rivers! Par contre, on parlait stats, 27 sur 33, 434 yards et 3 touchdowns dans ce match. Découpage de défense. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit après. Il a dit dans une interview, m'oubliez pas. Ouais. Non, effectivement, faut pas l'oublier. Maintenant, il est mignon. Il fait pas des matchs comme ça chaque semaine. Hein. Quand il lance 4 interceptions, moi je m'en souviens, ça va. Là, à ce moment-là, on l'oublie pas non plus. Il en parle avec tellement plus de passion que des Panthers. Ouais, mais. J'ai eu plus d'expérience. Je sais pas si ils vont aller chercher la division, mais en tout cas, moi je les trouve mieux armés que les Raiders pour le coup, pour aller titiller les Chiefs. Parce qu'il y a des vraies bases intéressantes pour aller chercher. Il y a ce duo de pass rusher Ingram-Bossa. Le backfield défensif. Casey Ward fait une super saison. Il y a le deuxième année, cornerback deuxième année. Qui Trevor Williams, le cornerback de deuxième année, qui pareil explose complètement cette saison. Il y a du pass rush. Il y a Rivers qui est quand même capable de sortir des bons matchs. Il y a un jeu au sol qui est capable. Il y a un très bon receveur avec Keenan Allen. Il y a quand même des éléments pour aller chercher une place en playoff et surtout profiter de la dégringolade des Chiefs. Il les joue une fois. Donc moi, si tu me demandes, pour le moment, je vois les Raiders les Chargers plus capables que les Raiders. Imaginez qu'on ait les deux équipes de Los Angeles en playoff. On n'aurait pas parié au début de l'année. Non, c'est sûr. Un petit Super Bowl Los Angeles, t'imagines. Jamais, mais... Ça montre du côté... Ah bah oui, le téléphone sonne, dis donc. On a un téléphone. Du côté des Cowboys, ça montre un peu les progrès que Dak Prescott doit faire. Parce que ça sent pas bon pour cette équipe. Il disait, on sait pas trop dans quel sens ça va. Finalement, l'absence de Ezekiel Elliott, c'est terrible, mais on sait pas comment. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça ait un tel impact dans la mesure où on avait déjà vu Dak Prescott faire des bons matchs quand Prescott était là, mais jouait mal. Elliott était là, mais jouait mal. Mais en fait, là, c'est même pas qu'il est. Comme il est pas là, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans la tête des défenseurs adverses où du coup ils sont tranquilles au sol et ils peuvent juste aller manger Dak Prescott. Ouais, c'est vraiment très compliqué parce que Elliott est pas là, mais Prescott est quand même en train de rendre des fiches assez sales depuis deux matchs. Il a 5 interceptions sur les 3 derniers matchs et aucun touchdown. Il a plus d'interceptions que l'an dernier. L'an dernier, il en lance 4. Il en est déjà à 5. C'est compliqué. À mon sens, il n'est pas le seul responsable parce qu'il y a un moment où c'est aussi dans ces moments-là que le coaching doit émerger, qu'un coach est capable de trouver des solutions quand le meilleur joueur n'est pas là pour aider l'équipe. Mais bien sûr, l'arnaque qu'est Jason Garrett n'en est pas capable. Mais ce mec-là a un titre de coach de l'année. C'est ton nouveau. Jason Garrett a eu un titre de coach de l'année, mais l'an dernier, ça se paye. Il fait quoi à part applaudir? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Ça fait deux matchs, il n'est incapable de trouver une seule solution. Mais bon, il applique les ordres de Jerry Jones et il le supporte. Ça prouve bien l'immense fils historique. D'ici 10 ans, il sera là pour lui mettre son bavoir, tu sais, lui enlever les petits morceaux de Omar sur le brancher. Mais en tout cas, eux, les playoffs sont en train de s'envoler. Enfin, c'est même pas, ils sont envolés vu les concurrents pour la wild card. Ça va mal. Allez, on va enchaîner un petit peu sur les autres matchs. Ravens 23, Texans 16. Parce que Baltimore est toujours en course pour une wild card aussi. Ils peuvent remercier leur défense et Tom Savage. 3 ballons perdus pour le quarterback des Texans. Attaque dramatique quand même de Baltimore qui a besoin d'un fake punt et d'une 4e-1 convertie pour se lancer un petit peu. Mais Joe Flacco réclame ce qu'on prenne plus de risques. Pourquoi pas? Si c'est de ça dont ils ont besoin. Oui, il en a pris de temps en temps pendant ce match. Apparemment, il a loupé un peu la cible aussi quand il essayait de lancer en profondeur. Donc, c'est bien de réclamer, c'est mieux de les mettre. C'était un match très dur. Les Texans, on va pas épiloguer cette semaine. On sait très bien dans quel état ils sont sans Deshaun Watson actuellement. Les Ravens sont en course pour les playoffs. Aujourd'hui, ils sont en wild card.
Ouais. Il serait pas, le pire, c'est qu'il serait pas bon à prendre. Non, bah non, parce qu'il y a toujours, c'est ce qu'on disait, on en parlait jeudi, je crois, cette discipline de John Harbaugh qui fait que sur les matchs importants, il est capable de. Terrell Suggs en playoff à 35 Quand il voulait taper une des hypes de la saison ou aller prendre des. Ah, ça sera drôle. Allez, on va enchaîner. Tiens, Patriots 35, Dolphins 17, victoire facile pour les Patriots, 417 yards pour eux, 221 yards en face. Je sais qu'on parle pas beaucoup des Dolphins, mais là on va avouer qu'ils nous aident pas. On n'a pas grand chose à dire. Je vais en parler dans mon flop, je vais développer un peu dessus. Donc, John Lewis est à 112 yards, 2 touchdowns pour le Gronk, ça déroule du côté de New England, ils sont plutôt tranquilles. Les Steelers 31, Packers 28, sauvés par Antonio Brown, 10 réceptions, 169 yards, 2 touchdowns, une réception exceptionnelle pour les mettre en position pour le dernier field goal. Progrès pour Brent Hundley, 17 sur 26, 245 yards, 3 touchdowns. Bah c'est une semaine sur deux. La semaine dernière, c'était catastrophique, mais la semaine d'avant, et je ne sais plus contre qui il jouait, c'était les Bears, j'ai l'impression. Il avait été bien, enfin, il avait été de cet ordre-là. Donc, bon, voilà, c'est l'adaptation. Tu ne peux pas prendre la place de Aaron Rodgers du jour au lendemain. Il n'est pas si mauvais que ce qu'il peut être parfois. Maintenant, voilà, tu ne pourras pas compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Match plus serré que prévu. Les deux défenses ont été quand même en grande difficulté pour le coup, que ce soit celle des Steelers ou des Packers. Celle des Steelers fait quand même particulièrement un match affreux parce que, ouais, Hundley progresse, mais ils ne doivent pas le laisser jouer comme ça. Tu as eu l'impression quand même qu'Hundley était Rodgers, donc ce n'est pas normal de donner ce sentiment-là. Steelers s'en sort grâce à leur attaque, qui fait un vrai bon match, même s'il y a deux interceptions de Roethlisberger, je l'ai trouvé hyper convaincant. Dès qu'il est en prime time, en général, Roethlisberger, lui, pour le coup, ce n'est pas Dalton. En général, les matchs de prime time, il se rate rarement. Je crois qu'il y avait une stat aussi sur les Ravens avec Harbaugh, d'ailleurs, en parlant des équipes prime time, de la division, il est genre à 12-2 ou un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est ce genre de mec, ils aiment pas se faire humilier en direct. Donc voilà. Bon, bah les Steelers continuent quoi. Les Steelers, j'en profite pour le dire, on fera un focus sur eux jeudi dans notre émission où on a un débat maintenant, ou en tout cas un focus le jeudi, puisqu'on aura un invité spécial dont on ne vous parle pas tout de suite, qui est fan des Steelers et avec lequel on fera donc un petit focus sur cette équipe. Cardinals 27, Jaguars 24, Blaine Gabbert s'est payé son ancienne équipe, il garde son poste de titulaire. Est-ce que Bruce Arians avait raison? Est-ce qu'il jouait juste dans des mauvaises équipes? Écoute, attends, je retourne ma question. Ouais. Est-ce que les Jaguars seraient meilleurs aujourd'hui avec Blaine Gabbert plutôt que Blake Bortles? Oui. Moi, je pense. C'est pas improbable. J'ai envie de citer pour ça, si tu veux, l'exemple Case Keenum qui réussit très bien avec un bon coaching staff, un bon casting autour de lui. On voit que du coup, finalement, l'évaluation des quarterbacks en NFL, c'est pas si évident. Ça dépend du contexte. Et tu peux dire que Blaine Gabbert, là, avec un bon coach qui est Bruce Arians, bizarrement, il s'en sort mieux qu'à Jacksonville. Et parce que Blake Bortles, lui, c'est 19 sur 33, 160 yards et une interception qui l'est tué dans le dernier quart. 60 yards au sol et 2 touchdowns. Ouais, et une interception qui l'est tué dans le dernier quart. C'est vrai. Mais du coup, c'est bizarre de l'utiliser autant au sol. C'est bizarre, mais c'était pas si mal en vrai, pour le coup, d'utiliser Blake Bortles comme ça. En read option, ils ont fait plusieurs zones read option comme ça, et ça a bien marché en laissant Bortles prendre le ballon, et je pense qu'ils devraient insister dessus, parce que ça permet à cette attaque d'avancer au final, ce qu'ils cherchent. Parce que on en revient au même, il faut que Bortles arrête de lancer le ballon. Au final. Soit il court, soit il la donne. C'est pour ça qu'honnêtement, ta stat, elle m'intéresse pas quand tu me dis qu'il a gagné des yards de sol et tout ça, il s'est pas lancé. Parce que quand on a le débat Stafford. Ce que je veux dire, c'est que quand on a le débat Stafford-Wilson, par exemple, et qu'on plaisante, et que Grégory nous dit oui, mais Stafford, c'est un vrai pur passeur, etc. Oui, Wilson, il sait faire les deux, mais il s'est lancé aussi. C'est vrai que mais il a couru, oui, mais il s'est pas lancé. Donc, sur ce match-là, en l'occurrence, ça les a maintenus à flot. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une option à faire côté de Jaguars. Tant mieux, mais quand ça doit devenir ton ressort pour que ton quarterback conserve quelque chose. T'as pas besoin de beaucoup plus pour gagner, pour aller loin. Je pense que ça peut marcher. Ça les plombera. Tiens, on parlait des Ravens. S'ils tombent sur les Ravens en playoff, ils vont se faire. Ils se font annihiler en attaque. Et puis. Leur défense a les moyens de manger Flacco. Hein. Je te rappelle que Jaguars. Ça a donné 50. C'est vrai. 47 à 10. Je sais pas quoi. Parce que leur défense, pour le coup, là, s'est fait avoir parce qu'elle est tombée sur un quarterback très mobile qui a su prolonger les jeux. Ils ont réussi à le saquer qu'une fois. Ouais. Dès que la défense de Jacksonville arrive à mettre 2-3 sacs. En playoff, en prime time, je sais pas. Je suis pas convaincu. Colts 16, Titans 20, ça passe encore pour Tennessee qui repasse devant Jacksonville du coup au haut de la division. 8 sacs pour les Titans, on sait pas ce qui leur est arrivé. ils sont réveillés, c'était pas réputé pour ça. Ils sont réveillés en deuxième mi-temps, après c'était assez médiocre à tous les étages. Et après il y a 8 sacs parce que Jacoby Brissett aime bien garder le ballon, il est très attaché.
Ouais, c'est vrai. Non mais on est obligé de parler de cette équipe, elle est en tête de division. Mais je sais pas quoi dire, je sais jamais quoi dire mais sur cette équipe. C'est terrible. C'est un peu le... Ouais, c'est un peu le problème. Il y a une gêne, je le sens. Non, mais je sais pas trop. Non, mais c'est vrai, j'avoue que je sais pas trop quoi dire sur les Titans parce que moi je les trouve pas exceptionnels des deux côtés du. Mariota est pas bon sur ce match, mais ils s'en sortent quand même. Ouais. Il y a ce fumble du coureur des Colts, Mac, qui les relance complètement, où ils sont du coup devant la end zone des Colts alors qu'ils sont menés 16-6. Ça leur permet de complètement relancer ce match. Il y a cette défense qui est capable de jouer par à-coup, mais il manque... Sur ce match-là, c'est eux qui font le taf. Allez, Eagles 31, Bears 3, quatrième fois de l'histoire des Eagles qu'ils commencent la saison avec 10 victoires et une défaite. Et à chaque fois, ça a fait Super Bowl ou match pour le titre. Pas gagné, mais ils sont allés au Super Bowl. Ils ont limité les Bears à 140 yards et 8 first down. Cette défense. Dont 6 yards au sol. Ah c'est oui, énorme. C'est malsain même à ce niveau. Ouais, c'est ça. C'est que on disait avant le match peut-être que si le jeu au sol fonctionne, bah il fonctionne pas, c'est mort. Ah oui, c'est terrible. Mais après voilà, Mitchell Trubisky, bon, il peut pas faire beaucoup mieux. Hein. Leur jeu au sol a eu ultra complet, 3 touchdowns pour Carson Wentz. Ils sont impressionnants. On en reparlera encore plus dans les semaines à venir. Je pense qu'on va pas s'éterniser sur celui-là. Et Lions 23, Vikings 30. C'était jeudi dernier. Démonstration de solidité des Vikings. On l'a commenté en direct. Match courageux de Matt Stafford, mais encore une fois trop tard. Après, la stat qui fait mal, c'est vrai qu'on a vu encore, il n'a pas eu un coureur à 100 yards avec lui depuis Thanksgiving 2013. 63 matchs de mémoire. Donc 4 saisons. Quoi. C'est délirant. Même par erreur, il y a un mec qui tombe sur 100 yards à un moment quand même. Ouais, sur une course folle. Non, mais ou c'est sur, ça. Ouais. Il y a un type qui met une course de 70 yards de nulle part. C'est vraiment un des problèmes de cette équipe parce que du coup, l'attaque est beaucoup trop unidimensionnelle. Et... ça se fait plus trop de drafter un coureur au premier tour, mais alors eux, pour le coup, ils auraient peut-être intérêt à casser la tilière pour prendre un coureur d'impact, parce que là... Après, le problème, c'est qu'ils seraient capables... Mais je crois qu'ils avaient... Non, Javid Best, c'était au deuxième tour. Ouais, non, mais après, ils n'ont pas ils de bol aussi. Ils avaient essayé, hein. Certains mecs, mais ils n'ont jamais eu de bol. Ils Javid Best, bol il aussi, était talentueux, mais... Pas de bol, ou alors ils évaluent mal aussi. Aussi. Tu vois, mais Javid Best, c'était les commotions qui l'ont sorti mais très, très vite. Amir Abdoulay était censé être hyper talentueux. Oui, bien sûr. Pour le coup, il était hyper coté à la fin, qu'il y avait une hype. Oui, et puis il avait fait des bons débuts. Il n'a pas fini à 100, mais il avait fait des bons débuts. C'est vrai que 100 yards. Bon, et les Vikings qui continuent d'être convaincants, on en reparlera aussi beaucoup. 49ers 13, Seahawks 24, les Seahawks ont gagné, c'était attendu. Mais il aura fallu un peu de temps pour se détacher. Et surtout, on a vu Jimmy Garoppolo, 2 passes pour 18 yards. Est-ce que vous avez été impressionné par toute cette démonstration? Ouais. Une présence dans la poche. Et un touchdown surtout. Une lecture là. T'as pas dit le touchdown. Le mec rentre en touchdown. J'adore. Bon, on en verra peut-être plus dans les semaines à venir. Sûrement parce que Bettard. Il est pas blessé le petit. Il est blessé, ouais. Bah ouais. Il est blessé. Donc on va voir ce que ça va donner. Les Seahawks qui continuent donc officiellement de perdre Cam Chancellor cette semaine. Donc ça continue de perdre ça. C'est le parcours du combattant un peu. Paul Richardson, il est en train de sortir un peu du chapeau. On l'attendait pas forcément aussi haut niveau. Et mine de rien, lui qui eux, est... ils ont jamais des receveurs très hypés, mais ils en font souvent des receveurs de qualité parce que Jermaine Kearse. Des receveurs de qualité, mais sur big play quoi, quand même. Ouais, mais tu vois. Non, mais genre des Jermaine Kearse et des Golden Tate qui étaient pas cotés de fou quand ils sont arrivés, on voit qu'en plus ils apportent même à Détroit, même enfin ils en ont fait des bons joueurs. Donc il y a Baldwin qui est un drafté, et Doug Baldwin il y avait eu Luke Wilson, il y a Vanette aussi, des mecs ils ont plutôt une bonne filière, donc c'est grâce aussi à l'ami Wilson, et Russell Wilson les fait briller bien sûr, puisque contrairement à Derek Carr, il peut faire briller n'importe qui, dirait Raphaël. Redskins 20, Giants 10, Kirk Cousins continue de porter son équipe, les Giants s'enfoncent à nouveau, 170 yards et 7 first down. Alors je me faisais la remarque par contre en préparant mes fiches, 140 yards 8 first down pour les Bears, 170 yards 7 first down pour les Giants, et j'ai l'impression que toutes les semaines on a un ou deux matchs comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas autant ces dernières semaines, des prestations aussi catastrophiques en attaque, des 150 yards Cette saison il y en a eu quelques-uns sur un match, des 150 yards 7 first down, je trouve ça quand même ras du ras des pâquerettes quoi. Faudrait trouver le site américain qui a la stat dessus, Pour Football Référence peut faire des recherches par jour de la semaine, donc parce que là franchement 170 yards au total, c'est naze. Ils sont orphelins d'Odell Beckham plus que jamais, mais ils sont orphelins de beaucoup de choses. Eli Manning est à 13 sur 27 sans 13 yards et une interception. C'est compliqué. C'est pareil, je crois qu'il est temps de changer. On avait fait un débat à un moment de Giants. De toute façon, on va pas... Est-ce qu'on changeait GM, coach, quarterback? Je crois que tu avais fait GM, coach.
Et tu gardais le quarterback. Là, je crois qu'on commence à arriver au point où le grand changement est en marche. Le remplaçant, c'est David Webb. Ah, ok. Et David Geno Smith. David aussi. Geno Smith, c'est ça, j'avais Geno Smith. David ou Davis? Bengals 30, Browns 16, 114 yards pour Joe Mixon. Les Browns n'ont pas été mauvais, mais ils n'ont pas été réalistes. Ils sont beaucoup plantés dans la red zone. Ils sont 1 sur 4, je crois, dans la red zone. Il leur a manqué un peu de ça. Et puis, ils n'avaient pas les joueurs talentueux. Ouais, ils sont moins bons. Les Bengals sont meilleurs sur le papier. C'est un peu les Bengals que tu attendais de voir finalement toute la saison. Avec Joe Mixon qui se montre un peu. Ouais, mais c'est très irrégulier, lui, quand un même. Un jeu au sol, une bonne défense, un Dalton qui fait 2-3 big plays par-ci par-là. Et voilà, bon, bah. Et ben voilà pour ce match qui ne servait à rien de toute façon. Oui, parce que ouais, désolé. Mais... C'est l'heure de passer au top et au flop. Alors messieurs, on va d'abord faire nos top et nos flops et ensuite on accueille un invité puisque bien sûr on a un de nos auditeurs sur Tipeee. Non, il n'est pas là. Petit problème technique. Bon, alors on n'a pas notre invité, on me fait signe une prochaine fois. En régie. Je devrais avoir un téléphone rouge, tu sais, comme dans dans la cité de la peur, tu sais. Ah, on me fait signe en régie que le sujet n'est pas prêt, alors on va passer à la suite. Donc, le top, Raphaël. J'ai dit que j'en avais pas cette semaine. Ah oui, c'est envie vrai, de récompenser t'es personne. Trop énervé, toi. Raoul. Personne. Mon top, c'est Alvin Kamara. Je vais devenir officiellement à partir de cette semaine l'ambassadeur de sa campagne pour le titre de rookie offensif de l'année. Et je pense que c'est pas immérité. Ouais. Il a 1094 yards de gagné par rapport à la ligne de scrimmage, moitié dans les airs, moitié au sol, 9 touchdowns. Et ils avaient recruté Peterson au début d'année parce qu'ils avaient espéré un vrai coureur pour soutenir Drew Brees. Ils en ont un. En plus, t'as Mark Ingram qui lui fait vraiment le boulot sol. Kamara, c'est une bonne option en sortie de backfield. C'est une énorme entrée. C'est un peu comme David Johnson l'an dernier. Hein. C'est pas les mêmes stats, mais c'est un peu en dessous, mais c'est le même impact, je trouve. Et puis il est hyper excitant à voir jouer. C'est hyper sympa. Donc, Alvin Kamara, malgré la défaite des Saints, bien joué. Un top pas très original, mais c'est les Patriots. 17e saison de suite avec un bilan positif à plus de 50% de victoire. Ils battent. Je sais qu'il y a des stats pour tout, mais celle-là est quand même plutôt significative. Les Cowboys et Niners avaient fait 16 saisons de suite avec un bilan positif, ce qui était déjà énorme. Les Patriots prennent ce record-là, 17e saison de suite. Et si Tom Brady prend pas sa retraite, à mon avis, il y en aura une 18e. Donc, oui, 19e. C'est sûr. Est-ce qu'ils visent les 20 ans, du coup, maintenant? Il faut. Quand tu as rendu à ce niveau-là, il faut aller les défauts structurels qu'il y a chez les concurrents de la division, tu peux aller chercher les 20. Hein. Et puis, moi, je voulais en faire mon top parce que c'est délirant dans une ligue comme la NFL. C'est incroyable. 17 ans avec un bilan positif, pas une saison comme ça où il y a eu un accro. Parce qu'on parle quand même de au moins 8 victoires, au moins 9 victoires par an. Quoi. Non, c'est vrai. C'est délirant. Le seul accro, c'est le Deflategate. Voilà. Oui. Non mais tu vois, c'est te dire là, c'est insignifiant, mais moi c'est le seul truc négatif que je pense. Justement, moi je trouve que cette stat là elle calme toutes les rumeurs ou les polémiques ou les machins. Tu fais pas 17 saisons consécutives avec un bilan positif parce que t'as dégonflé un ballon un soir de janvier quoi. au bout d'un moment, non mais tu vois, je suis réceptif aux histoires de ils auraient peut-être fait ceci ou cela ou les signaux, l'histoire des signaux avec machin. Franchement, tu fais pas 17 ans comme ça. C'est impossible, il n'y a pas de tricherie ou de machin, à ce niveau-là, c'est... Voilà. Raphaël... Voilà, c'est juste bon. Ouais. Non mais voilà, c'est juste du talent, c'est juste de la préparation, c'est juste une franchise hyper bien gérée. Quoi. Raphaël, ton flop, du coup, tu peux être un peu plus long vu que tu n'as pas fait de top. Mon flop vient suite à une remarque d'un de nos chers auditeurs, Patrick, sur le dernier podcast, qui estimait qu'on ne parlait pas assez des Dolphins. Ah oui, c'est vrai. Et souvent... Et là, le mec dit « Et mon flop, c'est Patrick, partout dans autre chose. » Et souvent d'ailleurs de manière négative. Mais alors, mon flop va effectivement être les Dolphins. Et alors, pourquoi Patrick aussi, on a cette attitude-là face aux Dolphins? Les Dolphins, ça va faire à peu près 10 ans, à part la surprise l'année où ils jouent en Wildcat avec Chad Pennington, qui est un peu une année... exceptionnelle. Enfin... Anomalie avec Ricky Williams qui revient nulle part à l'époque. Je ne sais même pas comment appeler cette année-là. Le problème, c'est que les Dolphins, on ne les voit pas progresser depuis des années et des années et qu'il y a toujours les mêmes défauts dans cette équipe qu'ils n'arrivent pas à régler depuis à peu près 10 ans, je dirais, et qui sont 3 défauts. Et comme ça, on va parler un peu des Dolphins. La ligne offensive, qui est mauvaise depuis 10 ans, depuis le début de la saison, elle est catastrophique contre la passe et pour la course.
toutes les stats le montrent, que ce soit de Temsil à Bushrod, c'est vraiment très très mauvais à ce niveau-là. Au moins, il se tape plus dessus. Ouais, bien sûr, il se tape plus dessus, mais tu vois, ça fait partie de ce truc. Plus personne n'est violenté dans le vestiaire. Ça fait 10 ans que cette ligne offensive a des problèmes. Ils ont dépensé sur les 10 dernières années, j'avais les stats, c'est dommage, j'ai oublié mes notes, mais ils ont dépensé 260 millions sur les linemen offensifs pour des Brandon Albert, des Pouncey, qui est bon, mais qui est souvent blessé, et encore même, qui est moins bon cette saison. Ils ont une ils ont des scouts très mauvais sur les lignes offensives. Ils ont laissé passer des Kelechi Oselme, des Battari pour prendre des joueurs qui à l'heure actuelle ne sont plus là. Ensuite, le problème de la discipline. Depuis 2014, les Dolphins sont dans les trois équipes les plus pénalisées par la ligue. Et puis alors c'est pas les pénalités qui laissent à interprétation comme les interférences ou quoi que ce soit. Non, c'est les faux départs. Les unnecessary roughness, enfin tous ces trucs-là. Tu veux dire. Ouais, je croyais en dehors. Tout ce qui montre qu'une équipe n'est pas disciplinée et les coachs semaine après semaine te disent on va faire attention à ça, mais c'est pas le cas, c'est toujours la même chose semaine après semaine. Donc les mecs à un moment sont soit juste débiles, soit mauvais. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et enfin, dernier problème, j'ai fini après, j'arrête. Dernier problème des Dolphins, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à remonter la pente, c'est aussi comment ils dépensent leur argent. C'est une catastrophe absolue. Ndamu Kongsu est payé 21 millions la saison. L'an prochain, il va en toucher 26. Un defensive tackle qui touche 26 millions, ma foi, c'est sûr que c'est une super bonne idée. Et si jamais vous voulez échanger ou couper Ndamu Kongsu, hein, l'an prochain, c'est 22 millions de dead money. Oh la vache. Voilà. Même si vous voulez échanger 22 millions de dead money, Kiko Alonso est payé 13 millions la saison. Au final, il y a 8 joueurs des Dolphins qui comptent pour à peu près 65-66% du salary cap de cette équipe. Vous imaginez bien que les 45 autres joueurs qui doivent se répartir un peu moins de 40%, bah, ça fait un effectif avec des trous, des joueurs moyens, ça ne progresse pas. Et voilà, c'est ce marasme depuis 10 ans qu'il y a dans cette franchise qui fait qu'on ne peut pas dire beaucoup plus sur les Dolphins et en mieux. Voilà. Eh ben, merci Patrick. Désolé Patrick. J'espère que Patrick est content qu'on ait enfin parlé de son équipe. On a pris le temps. Et je rajouterai cette petite remarque d'Amine qui rappelle aussi qu'il y a aussi un coach sous cocaïne cette année. Ah bah oui, bah, c'était, bah, c'était, mais à quand la même, c'était quand même le pompon. Raoul, ton flop. Moi, mon flop, c'est les Chiefs qui, malgré leur début de saison canon incroyable avec Kareem Hunt, futur rookie de l'année, Alex Smith, le nouveau Tom Brady, eh ben, vont peut-être réussir à pas gagner leur division alors que franchement c'était à leur portée. Donc voilà, pour moi, c'est un flop. Double flop pour moi, il y en a un qui m'est tombé dessus ce matin, c'est Chuck Pagano. Il t'a pas fait trop mal ? Non, mais alors la conférence de presse de Chuck Pagano qui est dans un délire. C'était absolument incroyable. Total. Donc il se met à parler, alors c'était quoi la question, voilà, il se met à parler du film Un jour sans fin, donc c'est Groundhog Day en anglais, et donc il explique c'est comme ça, et puis il commence à partir dans la météo, il y a un ouragan qui arrive, vous comprenez, quand il passe l'Atlantique on espère qu'il reste sur la côte et qu'il n'y ait pas trop de dégâts, et c'est ça qu'on vit en ce moment et tout. Mais il est dans un délire, il y avait quelque chose de mystique, hein. Ouais. d'ésotérique, non, mais, alors mystique ou flippant je sais pas, mais et t'as fait la remarque et j'étais assez d'accord avec toi sur le chat interne de la truc, moi j'ai de la peine pour lui pour le coup quand je vois ça. Il a l'air vraiment perdu, il a l'air pas bien, et c'est vraiment à la deuxième question quand on lui parle de son job et qu'il dit moi mais je suis dans la meilleure forme de ma vie, enfin, je suis déçu pour les autres, hein, vraiment, et on dirait Jean-Claude Van Damme sous coke en 2001, tu vois, et là, genre non mais moi je suis aware, là, je suis dans la meilleure forme de ma vie, tu vois, je mange que des légumes, tout va bien, ouais tout va bien, je suis là mais mon job il est là, mon job il est peut-être là jusqu'à demain, peut-être pas, mais on sait rien, c'est pas grave, moi j'adore. Et tu vois le mec, il a l'air complètement paumé comme ça. Il faut le libérer. Et tu sais, ma seule réaction, c'est vraiment comme dans Wayne's World, tu sais, quand il parle au mec qui tient le diner là, et qu'ils font « Ok !» tu le regardes et t'es... Donc voilà, mais ouais, il a l'air de craquer, quoi. C'est assez triste à voir. Ça ressemble un peu à un burn-out, hein, quand même. Ah ouais, non, mais il a l'air au bout du... Pas impossible. Et je sais pas, mais limite, là, il faut le virer pour mettre fin à ses souffrances, souffrances de travail, en un sens, hein, qu'il puisse se reposer, bah, voilà, et qu'il puisse être tranquille, parce qu'il y a un truc qui va pas. Et sinon, alors, un mini-flop, mais la NFL a 20 milliards de règlements. On est dans une ligue où tu peux pas jouer avec des chaussures qui sont pas de la même couleur de ton maillot. Pourquoi les mecs ont le droit de porter des chaînes en or quand ils jouent? C'est pas le pire, je crois que c'est Camara qui a un anneau dans le nez. Ok, en plus. Mais non, mais moi je dis ça parce que on dit Talib a arraché la chaîne en or de Michael Crabtree, ce qui est stupide. Hein. On est même pas revenu sur cette bagarre. Bon, c'est Talib et Crabtree. Il n'y a pas besoin d'en venir. Ces deux génies sont rencontrés. ça arrive souvent. Donc pourquoi il l'a déjà arraché l'an dernier. La NFL qui fait des règles sur absolument tout. Pourquoi la NFL a pas dit au fait
on devrait peut-être éviter que les mecs portent des chaînes en or. C'est le premier truc, je sais pas, moi je joue au basket le samedi matin, ouais. J'ai une chaîne, on me dit oh, tu devrais peut-être l'enlever parce James que. James Jones, il joue avec le pull à capuche, hein. Ouais, mais c'était idiot aussi, il a failli se faire arracher la tête, je crois. Il y a une époque où les mecs se faisaient tirer par les dreadlocks. Donc je sais pas, c'est pas vraiment un flop, mais c'est juste que je comprends pas cette règle. Il y a des règles pour tout parce que ça peut être dangereux aussi dans une action si le mec il se fait accrocher ou quoi. Je comprends pas pourquoi il y a pas une règle pour ça pour le coup. Donc je comprends pas. Non, bah c'est allez, on passe aux questions. Quelles sont les questions? Ah, dans la casquette. Il y a Simon sur le chat qui demande si on engueule les auditeurs. Il dit qu'on sent de l'agacement. C'est pas du tout le cas. On a parlé avec Patrick même sur le chat et on sait qu'on n'a pas le temps de parler de toutes les équipes. Hein. Ça c'est pas un problème. Non, on en a parlé. C'est un vrai problème chez les Dolphins. C'est pas Patrick qui les a inventés. Non. Mais je crois qu'il était assez. Je crois qu'il était assez lucide sur la situation de la franchise. D'ailleurs, on avait parlé dans les. Il en a parlé dans les commentaires. Chers messieurs, servez-vous. Allez. Qui commence ? Mais vas-y. Allez, j'y vais. Au moins, on a LeBron. Salut l'équipe. Pourquoi est-il interdit de challenger les flags en NFL ? Je ne pense pas au hit de Peppers sur Malone en 3e et 5 qui était certes viril. Ah non, je pense, pardon, au hit de Peppers sur Malone en 3e et 5 qui était certes viril, mais légal. Bien évidemment, on ne perd pas sur cette action, mais si nous n'étions pas pénalisés, cela donnerait un punt et 4 minutes à jouer avec un retard de seulement un touchdown converti. C'est compliqué quand même, parce que c'est des décisions, c'est du jugement, donc c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est que c'est même en le regardant à la vidéo, si ce qu'il a vu pendant l'action lui a fait qu'il a donné cette pénalité, il va pas le changer. Parce qu'il n'a pas une preuve évidente. Oui, et puis voilà. Si les mecs commencent à se déjuger toutes les deux secondes. Et à vitesse ralentie aussi, tu n'as pas le même jugement non, qu'à vitesse ralentie. Ouais, voilà. Même en regardant aux vitesses normales, mais en regardant l'action que tu viens de voir, que tu vas changer d'avis. Non, mais des fois, même en regardant à vitesse ralentie, tu auras peut-être l'impression qu'il y a une faute, alors que le mec ne peut pas contrôler à vitesse normale. Oui, d'accord. Gros Jose qui nous demande: salut l'équipe, qu'est-ce que vous pensez de la saison de Myles Garrett pour l'instant? J'ai l'impression que pour un premier pick, il n'est pas très en vue. Je crois qu'il a 5 sacs, Myles Garrett. Il a été beaucoup blessé en fait. Oui, déjà il a loupé beaucoup de matchs et puis il n'est pas très en vue parce qu'il est à Cleveland. Donc, voilà. Et puis il ne fait pas une saison catastrophique pour un rookie. Il est par exemple bien meilleur que ce qu'avait été Jadeveon Clooney sur sa saison rookie. C'est ce que j'allais dire. Les pass rushers prennent un peu de temps à développer. Ouais, parce que Clooney maintenant, si Myles Garrett il a ce niveau-là dans 2 ans, c'est bien. Hein. Ouais, clairement. Je pense qu'il pourra monter en puissance plus vite que Clooney, parce que Clooney il a fallu du temps. Et Clooney, mais pareil, Clooney a été blessé aussi. Ouais. Question de Florian: quels sont les cornerbacks choisis pour intégrer les London Marmite? Et bien ça, on le donnera dans un autre épisode. Ah oui, on va construire petit à petit. Chris The Old One, selon vous. Je crois que quelqu'un avait suggéré en réponse à son commentaire Akib Talib et Jalen Ramsey. Chaud d'ambiance. Wow. Ouais. Et Cortland Finnegan qui sort de sa retraite. Allez hop. Donc Chris The Old One, selon vous, quelles équipes doivent changer leur QB l'an prochain? Et surtout, le feront-elles? Merci à vous. Qui doit changer son quarterback? Attends, je prends la liste des équipes. Eh bien, on peut mettre les Jaguars, on peut mettre. Qui doit changer le quarterback? Qui doit changer de quarterback? Broncos, Jaguars. Ouais. Mais le feront-elles? Alors, Jets. Oui, Jets. Oui. S'ils peuvent, après. Après, tu peux faire encore une saison avec McCann en développant un mec derrière. Ouais, c'est ça. Mais environ leur projet. Mais en développant déjà... quel? Parce que t'en as 3 à développer. Voilà. Steelers, Ravens, Bengals, Browns, oui. Titans, ils gardent. Jaguars, ils changent. Texans, ils ont Deshaun Watson qui va revenir. Colts, ils ont peut-être. Bah, Andrew si Andrew Luck revient pas, il faut changer. Hein. Chiefs, ça garde et au pire, ils ont Mahomes. Chargers, ça garde Rivers pour l'instant, mais il va peut-être falloir penser à la suite. Hein, ouais, ça serait pas mal. Raiders, il y a Carr. Broncos, ça change. Eagles, ça garde. Cowboys, ça garde. Redskins, ça. Redskins, ils, ça va bah, dépendre Redskins, de ce que ils vont changer, mais ça dépend pas d'eux. Giants, il va peut-être falloir commencer question, à préparer. Vikings, gros dilemme, on va en parler un jeudi, on fera un débat spécial sur les quarterbacks des Vikings, puisqu'ils sont tous en fin de contrat. Lions, ils ont, Packers, ils ont, Bears, ils ont drafté, Saints, ils ont, même s'il est en fin de contrat aussi, Drew Brees, n'air de rien. Attention. Panthers, ils ont, Falcons, ils ont, Buccaneers, au théorie, ils ont, Rams, ils ont, Seahawks, ils ont, Cardinals, il va falloir penser à l'avenir la aussi, mais il faut voir si Blaine Gabbert continue avec Bruce Arians. Le job. Et 49ers, ils ont Jimmy Garoppolo, donc on a fait à peu près le tour. Ouais. Raoul, bah c'est bon, c'était la mienne. Tiens, pardon. Ouais. Godgers is Among Us nous demande: il y a quelques saisons, vous vous demandiez si Ohio State était en mesure de battre Cleveland, à l'instar des Buckeyes. Les Badgers, invaincus cette année, ce n'est pas arrivé depuis plus d'un siècle, sont-ils capables de défaire ces Packers privés du si bien nommé par Alain le Saint des Saints, le plus grand être de toute l'histoire de l'humanité, Godgers le tout puissant, excepté les épaules bien évidemment. Sinon, un petit prono pour le match Wisconsin-Ohio State. Je ne serais même pas nommé un joueur de l'équipe, donc comme ça c'est réglé. Par défaut, je donne toujours Ohio State. Et non, en fait, alors
il y a quelques saisons, vous vous demandiez si Ohio State. Non, Grégory... c'était Alabama déjà. C'était Bama oui, déjà. Et c'était Grégory essayait de nous faire croire que. Voilà. C'est ça. Parce que personne ici ne croit qu'une équipe universitaire, quelle qu'elle soit, peut battre une équipe NFL. Puis alors les Packers. Les et Packers encore moins les Packers. Les Packers, jamais. Encore moins les Packers. Dans, dans coller 28 aux Steelers, mais oui, Ohio State va aller. Ouais, ouais. Faut, faut arrêter. Je... Est-ce que Notre-Dame peut battre les Eagles aujourd'hui? Il faut arrêter avec ce mythe qu'une équipe universitaire qui est invaincue, déjà parce qu'ils tapent des programmes où il y a trois pélos et les mecs prennent des 59-0 qui veulent rien dire. Ouais. Donc il y a déjà sur les 10 ouais. victoires, il y en a 3 ou 4 qui veulent rien dire. Ils ont 4-5 gros matchs dans l'année et donc faut arrêter avec ce mythe de ils sont super forts, ils sont invaincus cette année, oh, Alabama ils sont tous NFL ready machin et tout. Il y a NFL ready et être en NFL, tous les mecs en NFL sont en NFL, ils étaient NFL ready et ils sont pas NFL. Forcément NFL ready, ils ont le niveau. Ah si, bah, ils sont là. Ils sont forcément plus près qu'un gamin de 20 piges qui est à la fac. Donc, sur, et on parlait, tiens, on parlait d'équipes qui ne sont pas forcément géniales, comme les Jets ou les Panthers, qui usent sur l'intensité physique. Voilà, t'imagines ce que prendrait une équipe universitaire contre une équipe NFL sur l'intensité physique? Non, mais voilà, regarde, les Browns sont la pire équipe de la NFL, ils ont Miles Garrett. Même Miles Garrett, face au. Même, il y a des très bons linemen dans ces facs-là, qui ont un impact à la draft et tout ça. Mais. Mais ils n'ont pas le même entraînement, ils n'ont pas la même vie. C'est, ça n'a rien à voir. C'est des professionnels contre des mecs qui vont peut-être le devenir un jour, mais pas tous. Dans tous les 53 en NCAA, tu as des mecs qui sont là juste parce qu'ils kiffent le football. Mm. Bon, alors bien sûr, après, ça a un autre niveau par rapport à ce qu'on a en Europe. Donc ils sont bien plus forts, mais jamais à ce point-là. Ah non, on est d'accord. Question suivante. Raphaël, je crois. Ah, tu n'en avais pas pris. Alors j'en prends une du coup. Allez, on fait un dernier round. Alors, Chief, salut à tous, enchanté de la victoire des Rams de ce week-end, mais petit bémol sur Tavon Austin. Et oui, c'est ce qu'on disait. Pourquoi paye-t-on ce receveur 1,5 d'1m75, 18 millions, alors qu'il ne fait rien de bon? Un cadeau de Jeff Fisher. Pensez-vous qu'il sera là la saison prochaine? À mon avis, il préférerait qu'il fasse 18 cm et qu'il le paye 1,7 million. Ou 2m18. Pour inverser. Pensez-vous qu'il sera là la semaine prochaine? Il est surpayé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on te... Ah oui, non, mais il est surpayé. Ouais. Voilà, je crois qu'il... Allez, dernier tour. Raphaël, vas-y. Question de All for Saints. On parle souvent des meilleurs, mais qui sont pour vous les plus mauvais titulaires à leur poste actuellement? Au poste de quarterback? Le plus mauvais quarterback actuellement pour vous? Le plus mauvais de la ligue? Bah Tom Savage sur la semaine écoulée en tout cas. Ouais, je dirais. C'est dur à mon avis. Ou Paxton Lynch. Après c'est dur parce qu'il nous demande les meilleurs receveurs, enfin les pires receveurs et pires coureurs, mais comme ça c'est... Ah, c'est pas facile, ça dépend d'un match. Forcément des mecs de fond d'effectif qu'on connaît pas. Et puis sur des matchs comme ça... Et puis l'an dernier, on pouvait taquiner Nelson Agholor sur ses drops ou des trucs comme ça. Même cette année, il n'y a pas de drop fou, je crois. Ah, Agholor, même, il est passé dans une autre catégorie de joueurs. Ah, bah parce qu'il a un quarterback qui le fait briller. Après, il y a dû avoir du boulot quand même. Oui, je pense qu'il a bien travaillé cet été, le bonhomme. Il s'est fait greffer un doigt en plus, peut-être quelque part, on ne sait pas. Je sais pas, il y a un truc, il s'en est fait rajouter un là pour sécuriser le ballon, tu sais. Non, mais c'est vrai. Le mec a deux pouces opposables maintenant. C'est clairement une des grosses de progressions colle. De la saison, lui. Hein, parce que... C'est clair. Raoul, vas-y. Je fais la dernière du coup. Allez, vas-y. Axel qui nous demande, c'est l'inverse. Qui sont selon vous les joueurs les plus sous-cotés à chaque poste? Ou simplement le joueur le plus sous-coté au global? Il y a presque un débat à faire. Le 11 sous-coté de départ. Pourquoi j'avais un mec en tête? Kirk Cousins. T'es dur. Il est sous-coté. Je sais pas s'il est sous-coté. Il a pas le statut et la hype qu'auraient certains. Non, c'est vrai. Mais peut-être parce qu'il est chez les Redskins. Je me posais la question, tiens, polémique un peu. Est-ce que les. Non, mais parce que tout le monde dit Carson Wentz c'est super. Il est super. Mais est-ce qu'il est vraiment le meilleur quarterback de la NFC Est à l'heure actuelle? Parce que je me disais, est-ce que Kirk Cousins ne ferait pas au moins aussi bien avec les Eagles aujourd'hui, tu vois? Pas certain. C'est une bonne question. J'ai pas dit que, mais je me posais la question. C'est une bonne question. Et Cousins, c'est pas si on peut y répondre tout seul aujourd'hui, à l'heure actuelle. Quand même, moi je suis d'accord. Mais en fait, ce que fait Vance est exceptionnel. Et du coup, c'est difficile d'imaginer quelqu'un le faire aussi bien que lui. Il y a des mecs sous-côté qui vous viennent comme ça à l'esprit. On nous dit Case Keenum. C'est vrai que Case Keenum, il a bien joué 5 matchs. Il est sous-côté, mais il n'est pas un pro bowler ou un all pro. Cette année, il va être pro bowler. Culture de l'instant. Voilà. Non, mais cette année, il va être pro bowler. On va avoir un amendement culture de l'instant maintenant. On va sortir un panneau. Stop. Culture de l'instant. Il fait une bonne saison. Voilà. On a déjà vu des Fitzpatrick faire une saison super. Il a pris un contrat derrière, il n'existait plus. Donc on va peut-être attendre de voir comment il est payé, ce qu'il fait derrière. Il est un pro bowler, donc tu ne mets pas 6 quarterbacks devant lui.
Bah, s'il finit premier ou deuxième de la conférence AFC, NFC. Donc, tu manques de respect à Matt Ryan, à Drew Brees, à Matt Stafford, à Jared Goff, à Russell Wilson. Donc, j'en ai déjà 6, je crois, qui sont devant lui là pour le Pro Bowl dans c'est combien, NFC. De chaque, NFC, c'est combien de chaque conférence ? C'est 3 ? Non, c'est 6. C'est 6. Il n'y a pas de conférence. Ah, c'est 6. Il y a de nouveau les conférences au Pro Bowl. Ah bon ? Bon, c'est 3 et 3. En tout cas, en tout cas, en NFC. Attends, parce qu'il y en a plein qui vont être, il y en a deux qui vont être au Super Bowl déjà. Déjà devant lui, il y a Russell Wilson, il y a Jared Goff, il y a Matt Ryan, il y a pas Cam Newton cette année, je suis pas sûr. Drew Brees, Aaron Rodgers s'il est là, hein, voilà. Matt Stafford on va dire le cinquième, Kirk Cousins le sixième et Carson Wentz le septième déjà. Donc en NFC. Ah oui, en NFC. Hein. Rien qu'en NFC, il y en a 7 qui sont meilleurs que lui. C'est donc pas moi qui fais les votes. Hein. On va peut-être pas tout de suite envoyer qu'est-ce qu'il nomme au Pro Bowl et tout ça et tout ça. C'est pas moi qui fais les votes. Et sinon, non. Si ça arrive, vous l'aurez entendu. Et un mec en comme premier. Doug Baldwin est sous-côté, par exemple. On parlait tout à l'heure des receveurs de Seattle. Ou Paul Richardson. Mm. C'est un vrai bon receveur de possession. Quoi. Ouais. Bah, même du coup, Golden Tate, avant qu'il arrive chez les Lions, tout le monde disait ouais, bon, et au final, complètement. Tiens, on va prendre la dernière, c'est Jean-Bassoncou qui dit. Jean-Bassoncou. J'avais pas saisi tout de suite. Non ? Je l'ai pas non plus. Et Jean-Bassoncou. question polémique, est-ce que les Eagles sont l'équipe à 10-1 la moins méritante de l'histoire? Rétrospectivement, ils ont eu plutôt un calendrier assez clément, des adversaires en division galère, n'est-ce pas Raphaël? Une AFC 4-2 cette année et une défaite contre les Chiefs qui, vu d'ici, ne font plus peur à personne. La seule victoire valable, les Panthers, et c'était de justesse. Les Panthers ont eu un dernier draft pour gagner, votre avis? Et j'aime bien cette question juste pour dire que non. C'est bien. Il n'y a pas d'équipe à 10-1 qui sont pas méritantes en NFL. C'est impossible. 10-1, c'est impossible. C'est la meilleure équipe à 4-6, tu vois, c'est pareil. Enfin, oui, non, on n'arrive pas à 10-1 par hasard. Et les Chiefs avec le recul, oui, mais les Chiefs à ce moment-là ils jouaient. Ils sont injouables, bien sûr. À ce moment-là ils jouent, c'est pas une question non plus de niveau en rétrospective, parce que si on se base juste sur le bilan de fin de saison à chaque fois, mais non, mais je peux comprendre l'histoire du calendrier, etc., c'est parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, et voilà. Mais y a pas de match facile, tous les matchs se gagnent en NFL. Tous les matchs se gagnent, ils font une belle saison. Après, on verra, bien sûr qu'ils manquent d'expérience de playoff, etc., et qu'ils vont peut-être pas aller au bout. On va voir sur les deux prochaines semaines. Ils jouent Seahawks et Saints. Ouais, ça va être pas mal. Ah, ça va. S'ils gagnent, on pourra pas dire qu'ils sont les méritants. Hein. Il reste les Rams aussi. Il reste les Rams aussi. Ouais, donc il reste des beaux matchs. Et les Vikings, J'ai un doute, en tout cas, on va passer sur le match du jeudi, messieurs. Cowboys Redskins, deux équipes à 5 victoires et 6 défaites qui jouent un peu leur dernière chance d'ailleurs. 33-19 dans le premier match de la saison, le 29 octobre, mais avec 150 yards et deux touchdowns d'Ezekiel Elliott, qui n'est pas là pour cette rencontre. T'as fait du mal à Camille en bougeant le micro. C'est un match où Washington est favori. Je sais pas trop, il y a tellement de blessures. Oui. Bah parce qu'il y a Kirk Cousins. Et quand on voit ce que Philip Rivers vient de faire à Dallas, c'est que c'est possible. Voilà. C'est possible. Ouais, tu dis que les deux jouent en chance en playoff. Il y en a un des deux qui va revenir à 6 victoires, 6 défaites. Oui, celui qui a 5-7, il reviendra pas. Voilà. Parce qu'à 9-7, tu passes. Celui qui perd sera éliminé. Voilà. Celui qui gagne aura une petite chance. C'est pour ça que je dis c'est un peu la dernière chance. C'est bien, chance, tu as raison. Voilà. Merci. Quel faillot. C'est gentil. Donc, est-ce qu'il va se reprendre Dak Prescott là-dessus? C'est à Dallas. C'est pas tant la question de Dak Prescott, encore une fois. Enfin, toute l'attaque, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et même la défense, en fait. Et ça fait 3 matchs de suite qui marquent même pas 10 points. C'est très inquiétant. On voit pas forcément de solution pour venir. Même Dak Prescott, là, tout à l'heure, j'ai vu passer une interview où il déclarait qu'il a plus vraiment les mots pour expliquer ce qui se passe. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. J'allais dire l'équipe Talik non plus n'a plus vraiment les mots, mais c'est en général. Ouais, mais c'était pas gentil, c'était du mauvais esprit. Non, bah, franchement, je sais pas. Surtout que c'est pas lui qui a commencé. Ah, on pourrait avoir ce débat jeudi. Je sais pas qui a commencé, qui a pas commencé. Bon, en tout cas, ce pronostic pour Cowboys Redskins. Plutôt Redskins. Mieux armé partout. Sur la tendance. Après, ça reste rivalité de division. Oui, c'est vrai. Et NFC. Un petit 2 minutes warning très rapide, messieurs. Tatam. Les Broncos vont-ils drafter un quarterback? Tiens, justement. Ils devraient. Kirk Cousins, le veto. LeBron James est fan des Cowboys. Il dit que Carson Wentz est son joueur préféré. Est-ce qu'il a le droit?
Moi, ça me choque qu'on dise qu'il n'a pas le droit, il fait ce qu'il veut. C'est chelou quand même. Oui, déjà, il a le droit. Non, mais alors, il n'a pas dit. LeBron James, il a quand même l'air d'être un peu. Genre, je suis là. C'est vrai qu'il fait un peu bande-wagonneur. Il fait un peu bande-wagonneur. Maintenant, il faut être idiot pour ne pas reconnaître que Carson Wentz est super fort. Non, voilà, mais il a dit c'est mon joueur préféré actuellement. Ça fait une petite polémique clash buzz à deux balles. On aime bien, tu vois. Et après, c'est un peu comme les footballeurs, enfin, les Français, Pogba, etc., qui sont fans de plusieurs équipes, etc. C'est des professionnels et ils reconnaissent aussi. Oui. Bah, c'est ce qu'il a dit. Je crois qu'il reconnaît le talent, etc. Bah, oui. Bon, et puis dernière question très importante sur Carson Wentz. Est-ce que c'est le sosie parfait du prince Harry? Plutôt. Ouais. Je sais pas, mais s'il épouse Meghan Markle, c'est un petit chanceux. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Ça va. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais pas fait. Voilà, en fait, de visage, oui, mais je sais pas s'ils ont la même carrure. Je sais pas si le prince Harry est très grand. Je sais pas, je suis pas allé voir en détail, mais. Moi non plus, mais. Le truc, c'est que c'est plus facile de comparer des photos portraits avec des photos à poil, elles sont un peu plus disponibles. Donc, on a fait ce qu'on pouvait. Je parle évidemment du gabarit de tout. Hein, de non, mais c'est vrai que sur certaines photos et sur certaines expressions, ils ont quand même une vraie ressemblance, quoi. Une vraie ressemblance. Ah, d'accord, il y en a un qui fait 15 cm de. Donc, la question reste quand même, est-ce que les Didi s'est caché dans le Dakota pendant quelques mois et a accouché de Carson Wentz avant de rentrer en Angleterre sans que personne ne le sache. Est-ce que ce serait le frère jumeau caché de Imagine, ils ont été séparés à la naissance et il était envoyé dans le Dakota. Il a des origines allemandes, Wentz, ils ont une bonne dizaine d'années d'écart. C'est possible, ouais. Des origines allemandes, Wentz. Il doit avoir une bonne dizaine d'années d'écart. C'est vrai, la famille royale anglaise, elle est très proche de l'Allemagne. C'est un petit cousin éloigné. N'empêche, à sa place. C'est plus facile pour briller en société. Franchement, à sa place, il doit avoir quoi, je sais pas combien il a de followers sur les réseaux sociaux et tout, Carson Wentz. À sa place, je lance une petite campagne pour être invité au mariage, histoire de déconner, tu vois. Ah bah il arrive carrément le jour J, déguisé en marié, et puis il la joue à fond, quoi. Je lance une petite campagne réseaux sociaux, genre aidez-moi à me faire inviter au mariage de mon frère jumeau anglais. Et bam, comme ça, il se retrouve. Mais écoute, tu as qu'à devenir le community manager de Carson Wentz. Ah ouais, moi, ça me ferait délire. Faut qu'on trouve un hashtag, en fait. Tu vois, genre, Wentz for the wedding ou un truc comme ça. Wentz 4 wedding. Royal Wentz. Hashtag Royal Wentz, et comme ça. Royal Wedding, Vents et Wedding, ouais, je peux essayer Royal de mixer un peu les deux. Royal Wentzing ou un truc comme ça. Je n'ai pas trop honnête pour ça. J'ai lu qu'il faisait pas mal de cours de lecture de la Bible avec certains d'autres joueurs des Eagles le soir. C'est un mariage religieux. J'étais trop honnête. Non, mais pour du coup, je sais pas. À s'inviter comme ça. Ouais, je sais pas. Je parle pas de prendre la place du mariage, je parle juste de s'inviter. C'est vrai. C'est Raoul qui est à côté de me parasiter. Non, je parlais juste pour le délire de se faire inviter, tu vois, qu'il soit dans la foule. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 212 du podcast Jean Actu avec une analyse très fine, donc vous l'aurez remarqué. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics et un focus sur les Steelers avec un invité que vous n'avez jamais vu encore en plateau. Teasing. Cherchez des fans des Steelers sur Twitter et puis peut-être que vous vous êtes connu ou il est pas connu? Bah, il est connu en un sens quand même. J'aime bien ça. Allez, dimanche ce sera le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On a atteint l'objectif loyer ce mois-ci et on vous remercie. La cagnotte va redescendre un petit peu au début du mois puisque ça approche. Et donc, si vous faites un don ponctuel, n'hésitez pas à y retourner ou à faire un don mensuel. Pour nous suivre, touchandactu.com, bien sûr, à TDActu pour Twitter, à @Raphaël_TDA, à @RaoulVDG, à @CamilleSarabène, à @AlainMattei. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On va lancer les premières notes du générique. Allez, c'est parti. Voilà. L'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On vous dit à jeudi. On vous dit une très bonne semaine. On vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.